Yeah. Ok. Écoute. Primo. Représente un 3. Ok. En France, on nous dit qu'on a la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de vivre. Mais elle est où la liberté de vivre? Moi, j'en vois aucune. Car quand on fume notre bédo tranquillement dans la rue, et que les schmitts nous contrôlent et nous embarquent pour un malheureux pétard. Où est le mal dans tout ça? Ce n'est pas nous, mais plutôt eux qu'il faudrait juger sur leur façon de faire. Car pour moi, que fait-on de mal quand on fume notre bédo dans la rue? On dérange personne, on influence personne, on fait de mal à personne. Perso, moi, j'ai un quasi vierge et ça, les schmitts, ça les étonne. Mais vous me prenez pour qui? C'est pas parce que je fume un peu que je suis un tueur à gage. Je n'ai jamais blessé personne, je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais menacé personne en lui disant que j'allais l'assassiner. Alors lâchez-moi les baskets et laissez-moi respirer. Laissez-moi m'intoxifier avec ma fumée. Je ne fais de mal à personne en fumant à part à moi-même. Mais ça c'est mon problème, au fait l'État se plaint que dans les quartiers il y ait que pavé et haine envers les schmitts. Mais c'est normal car ils nous mettent la haine à nous embarquer juste pour un pétard. Laissez-nous nous pourrir la santé si quelqu'un doit nous arrêter. C'est bien nous-mêmes, donc laissez-nous tranquilles. Et puis d'abord la prochaine fois qu'un schmitt m'arrête et me dit au nom de la loi je vous arrête, je lui dirai bien haut et fort au nom de la liberté je m'enfuis. Car on est tous égaux et tous libres de vivre notre vie. Alors laissez-nous vivre la nôtre à notre façon, parce que je veux pas finir au placard à cause d'un pétard. De jour en jour la violence fait rage envers les schmitts dans les quartiers, augmente à chaque jour qui passe. Ils veulent qu'on les respecte mais eux de leur côté nous respectent pas. Alors je vois pas pourquoi nous on le ferait d'une autre. Le 9 mm à la ceinture, ils se prennent pour des durs. Mais quand tu les croises dans la rue sans leur uniforme, ils changent de forme, se font tout petit. La dernière fois j'ai cru rêver mais c'était bien la réalité. Ils ont osé nous contrôler derrière chez nous, mais c'est des bots, ils se prennent pour qui ici? On est chez nous mais vous avez zappé un truc. Nous cassez pas les couilles, parce qu'on est chez nous. Vous êtes sortis tout fiers de votre Clio 3 portes avec vos gilets pare-balles. Mais vous avez zappé un truc ici, on n'est pas à Marseille, ni à la ZUB, ni à la ZAC, ici c'est pas à l'aide. T'as cru qu'on allait tirer une balle dans l'abdomen, mais vas-y retourne chez ta mère avant que je m'énerve. Tu t'es pris pour un cow-boy, pour Lucky Luke, mais reste sur le terre-terre. Ici t'es pas chez toi, c'est moi qui fais la loi, donc c'est moi Lucky Luke et toi t'es juste les Dalton. L'État veut que la haine cesse dans les quartiers envers les schmitts, mais si eux de leur côté arrêtaient de nous embarquer et nous mettre au placard, juste pour un pétard, peut-être que nous on ferait de même.